Mesdames et messieurs les représentants, je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire la lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 21 février 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française se réunira le samedi 23 février 2008 à 9h pour procéder à l'élection du président de la Polynésie française. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Édouard Fritsch. Je vais demander au secrétaire général de faire l'appel. Madame Afouanik, présente. Madame Algoïma, présente. Monsieur Alfatéari, présent. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Brodien Rosine, présente. Madame Chavez Daphné, présente. Madame Cross Valentina, présente. Monsieur Jacques Hydrolet, présent. Monsieur Flos Gaston, présent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Frébaud, Madame Frébaud Joël, présent. Monsieur Frébaud Pierre, présent. Il est présent. Monsieur Fritsch Edouard, présent. Madame Galnon Chantal Minari, présente. Monsieur Géros Anthony, présent. Monsieur Anderson Georges, présent. Madame Irshan Onotea, présent. Madame Iriti Teura, présent. Madame Isal Heifara, présent. Monsieur Comte Benoît, présent. Monsieur Komwitini René, présent. Madame Léviaga Missandra, présent. Monsieur Lisan Marcelin, présent. Monsieur Mamatoua Yahoutapou Victor, présent. Madame Araya Emma, présente. Monsieur Maraoura Teina, présent. Madame Mataoua Léonie, présent. Madame Mati Juliana, présent. Madame Merceron Armel, présent. Madame Olivier Marise, présent. Madame Parker Eleanor, présent. Monsieur Porliette Ekinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, présent. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Rivetta Frédéric, présent. Monsieur Rofristeva, présent. Monsieur Romantaro Fernand, présent. Madame Sage Maina, présent. Monsieur Salmon James, présent. Monsieur Gilles Philippe, présent. Madame Tahiata Chantal, présent. Madame Tama Françoise, présent. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Chung-Yung Tung-Hi Achong, présent. Monsieur Tefarere Hiroiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, présent. Monsieur Tripayamita, présent. Madame Teruatea Sylviane, présent. Madame Tetuano Ilana, présent. Madame Teura Justine, présent. Monsieur Tongson Gaston, présent. Monsieur Toahou Ismaël, présent. Madame Tuchobia Catherine, présent. Madame Vernondon Béatrice, présent. Monsieur Vernondon Clarence, présent. Et enfin, Monsieur Yves Michel, présent. Voilà, Monsieur le Président. Bien, les 57 représentants donc sont présents en séance. Je vais demander au secrétaire général de nous donner lecture de l'ordre du jour qui nous est proposé par la conférence des présidents qui s'est réunie ce matin. Monsieur le Président, donc, les points à l'ordre du jour sont les suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour et de la durée des interventions des candidats. Point 2, élection du président de la Polynésie française. Point 3, élection des membres de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 4, élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5, élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6, élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7, désignation de rapporteur de propositions et projets de loi de pays. Point 8, examen de la correspondance. Point 9, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 10, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Je demande à l'Assemblée d'approuver le projet d'ordre du jour. Qui est pour ? À l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. Nous allons passer au deuxième point de notre ordre du jour. Il s'agit donc de l'élection du président de la Polynésie française. Je vais demander au secrétaire général de nous rappeler les dispositions statutaires relatives à l'élection du président de la Polynésie.
Madame le secrétaire général, vous voulez donner lecture des articles 71, 69. Monsieur le Président, l'article 71 de la loi statutaire alinéa 1 sur le délai d'élection du président de la Polynésie française prévoit que cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'Assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 118. S'agissant de l'article 69 du statut, c'est sur le mode d'élection du président de la Polynésie française. Il dispose que le président de la Polynésie française est élu par l'Assemblée de la Polynésie française parmi ses membres au scrutin secret. L'Assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les 3/5 des représentants sont présents. Et si cette condition n'est pas remplie, la réunion se plaindra 3 jours plus tard, dimanche et jour férié non compris. Le vote est personnel. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au 3e tour les 2 candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au 2e tour. Et en cas d'égalité des voix, la présentation au 3e tour est acquise au bénéfice de l'âge. Et en cas d'égalité des voix, l'élection est acquise aussi au bénéfice de l'âge. Donc, pour le 1er tour, les candidatures sont remises au président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au 2e tour de scrutin. Et les candidatures sont remises au président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard 3 heures avant l'ouverture du 2e tour de scrutin. Et chaque candidat expose son programme devant l'Assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Voilà, Monsieur le Président. Je voudrais vous préciser que la conférence des présidents qui s'est réunie donc ce matin a décidé que, qu'en cas de 2e tour, nous laisserons une demi-heure aux candidats nouveaux qu'ils puissent s'inscrire donc au secrétariat de l'Assemblée et nous procéderons au vote du 2e tour 3 heures donc après l'inscription de la demi-heure donnée aux candidats. Donc, je vous donnerai le timing final à l'issue du vote du 1er tour. Madame le secrétaire général, vous pouvez donner lecture des candidatures déposées pour l'élection du président de la Polynésie française avec les précisions quant aux heures de dépôt. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Monsieur Gasson Tong Song le 21 février 2008 à 16h35. La candidature de M. Oscar Temaru le 22 février 2008 à 15h35. Et enfin, la candidature de M. Gaston Floss le 22 février 2008 à 23h23. Voilà, M. le Président. Comme le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée, de notre Assemblée, la conférence des présidents a procédé tout à l'heure au tirage au sort du passage des candidats. Le premier candidat qui s'exprimera donc à la tribune sera M. Oscar Temaru, le 2e candidat, M. Gaston Floss, et le 3e candidat à s'exprimer sera donc M. Gaston Tong Song. M. Droulé. Petiteni, Yorana, Yorana, tu as mon numéro de apporté, Yorana, tu nous as fait un yatatu, Yorana, tu m'as fait un Ua whaoti, Oscar Manut, hei te maru e te pupu tapura amui i te tatarar ai tōnei ua roto i te iene horora. Monsieur le Président, Monsieur Oscar Manut, hei te maru, en accord avec le groupe UPLD, a décidé de retirer sa candidature. D'autres, Monsieur le Président du groupe. Je demande donc à M. Gaston Floss de bien vouloir venir exposer son programme devant l'Assemblée. Je vous rappelle, Monsieur le Sénateur, que vous disposez d'une heure. Monsieur le Président, Madame les représentantes, Messieurs les représentants, chers collègues, chers concitoyens de Tahiti, de Moréa, des îles sous le vent,
des Tuamotu de l'Ouest, des Gambiers et des Tuamotu de l'Est, des Marquises et des Australes, je vous adresse mes salutations fraternelles. Vous vous êtes exprimés le 27 janvier et le 10 février. Aucune formation politique n'a obtenu une majorité absolue. Ceux qui nous ont imposé cette loi électorale contre la volonté de la majorité de notre Assemblée se sont trompés et nous ont trompés. La stabilité promise n'est pas sortie des urnes. C'est à nous, les 57 élus, de créer les conditions de cette stabilité. La formation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, Totato ayant, est elle-même une coalition de 8 partis politiques dont la cohésion et la pérennité sont incertaines. Et pourtant, cela ne suffit même pas à faire une majorité absolue. Une alliance plus large est nécessaire. Cette alliance peut naturellement regrouper Totato Aya et le Tahoerahuiratira. C'est ce qui s'est produit jeudi pour l'élection du président de notre Assemblée. Ce qui peut se produire encore aujourd'hui pour élire le président de la Polynésie française. Une majorité de 37 représentants sur 57, ce n'est pas négligeable. Et on peut espérer que la marge de sécurité sera suffisante pour maintenir la cohésion de cette majorité, malgré l'instabilité prouvée de plusieurs de ses membres. Mais est-ce que cette solution correspond vraiment aux attentes des électeurs et aux besoins de la population? Je ne le crois pas. Même si le Tahoerahuiratira en a subi lourdement les conséquences dans les urnes, Monsieur Temaru et moi avons pris le 7 juillet 2007 une initiative déterminante pour notre avenir. Avec Monsieur Temaru, nous nous sommes rencontrés et nous avons ouvert un dialogue qui a mis fin à l'affrontement stérile et dangereux qui nous opposait depuis 30 ans. Nous n'avons fait aucune concession sur nos convictions opposées. Monsieur Temaru reste convaincu que la Polynésie doit devenir un État souverain. Je reste convaincu que la Polynésie doit rester française. Mais sans nous renier, sans renier nos valeurs et nos convictions, nous avons su nous et toute convergence sur de nombreux sujets qui intéressent la vie économique de tous les Polynésiens, la vie quotidienne comme la santé, l'éducation, la solidarité, l'économie, l'environnement, etc. Ici, dans notre Assemblée, les insultes et l'agressivité permanente ont cessé, remplacées par la tolérance et la recherche du consensus. Partout en Polynésie
et particulièrement parmi les couches les plus populaires, le respect mutuel et la paix entre nos deux formations politiques ont été appréciés et encouragés. C'est un acquis dont nous sommes fiers et que nous voulons préserver. Le Tahoeira Huiratira et le Tavini Huiratira ne veulent plus retourner à l'affrontement permanent entre le bloc autonomiste et le bloc indépendantiste. Et les Polynésiens ne le veulent plus non plus. Ils veulent que tous leurs élus travaillent ensemble au service du pays et à son développement dans la réconciliation et la paix. Oui, j'en suis convaincu. Regrouper les seules forces autonomistes en rejetant dans l'opposition les 20 élus de l'UPLD qui représentent plus de 38% des Polynésiens ne correspond pas à la volonté exprimée par les électeurs. Oui, ce serait contraire aux intérêts de notre pays. La seule façon d'assurer le développement de la Polynésie française dans la paix et la stabilité, c'est de former un gouvernement d'union entre les trois forces politiques représentées à l'Assemblée. Le Tahoeira Huiratira a-t-il la légitimité pour prendre l'initiative de proposer cette union? Je le crois. Je crois même que nous sommes les seuls à avoir cette légitimité. C'est vrai que nous avons le groupe le moins nombreux, mais cette faiblesse représente un avantage pour nos partenaires. Nous ne sommes pas en position d'imposer notre loi en ralliant quelques élus à notre cause. Notre seule possibilité de participer activement au développement de notre pays et de jouer sans restriction et sans arrière-pensée le jeu de l'union loyale avec les autres forces politiques. Le Tahoeira possède un autre atout. Nous sommes en mesure de nous entendre avec Totato Aya aussi bien qu'avec l'UPLD. Tout le monde sait que nous avons pris contact avec ces deux formations politiques avant le 21 février. Nous sommes les seuls à pouvoir établir un lien entre tous les élus de notre Assemblée. Nous sommes aussi les plus expérimentés pour mener à bien les discussions avec l'État dans le respect de la République, mais en défendant avec acharnement nos prérogatives et les intérêts de la Polynésie française. Le Tahoeira Huiratira est le pivot indispensable de toute alliance majoritaire et, à plus forte raison, de tout gouvernement d'union entre toutes les forces politiques de notre pays. Tels sont les motifs qui ont conduit le bureau exécutif du Tahoeira Huiratira hier, au terme d'un long débat, à me demander d'être candidat à la présidence de la Polynésie française. J'ai accepté parce que je crois que cette candidature est utile. Je pense que les 57 élus de notre population ne doivent pas avoir seulement le choix entre les deux candidats qui représentent le bloc autonomiste et le bloc indépendantiste. Une autre solution doit vous être offerte. La possibilité d'un rassemblement de toutes les forces politiques pour former à terme
un véritable gouvernement d'union. Le Tahoe-Rahuit Atira a voulu vous offrir cette possibilité. C'est le sens de ma candidature. Il vous appartiendra de saisir ou de rejeter cette offre d'union, mais au moins, vous aurez eu le choix. Je sais qu'il est d'usage pour les candidats de présenter en détail leur programme. Vous comprendrez que je ne puisse le faire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce que je n'avais pas le temps, ma candidature ayant été décidée il y a moins de 24 heures. C'est aussi parce qu'il serait vraiment présomptueux et déloyal de vous présenter un programme fondé essentiellement sur celui du Tahoe-Rahuit Atira, alors que ma candidature vise à former, dès que possible, un gouvernement d'union entre toutes les forces politiques. Si vous retenez ma candidature, il est évident que mon premier devoir sera de réunir des représentants de toutes les forces politiques afin de définir ensemble le programme de ce gouvernement d'union. Je ne peux pas préjuger de son contenu détaillé. Ce que je peux vous dire, c'est que j'insisterai particulièrement pour que ce programme consensuel retienne les propositions du Tahoe-RA dans le domaine de la solidarité sociale. Il faut vraiment un effort urgent et significatif en faveur des plus défavorisés. Les ressortissants du RSPF, les personnes âgées et handicapées. Ce n'est pas une question partisane qui peut nous diviser. Je suis certain que nous pourrons aisément nous mettre d'accord pour des mesures sociales immédiates et généreuses. Si je suis élu, je m'engage à vous exposer le programme de la mandature à l'occasion de la présentation du budget 2008 qui n'a pas encore été adopté et qui doit être réglé en priorité absolue. Mesdames et messieurs les représentants, mes chers collègues, c'est sans illusion et c'est en toute humilité que je vous soumets ma candidature. Croyez bien que je suis conscient du résultat des élections et du poids exact du Tahoe-Rahuit Atira. Je vous ai expliqué pourquoi je pense que ma candidature est utile. Je suis convaincu que je peux encore servir notre pays. J'en ai en tout cas la volonté et la force, j'y suis prêt. C'est à vous que la décision appartient. Je remercie par avance celles et ceux d'entre vous qui m'accorderont leur confiance et je vous remercie tous pour votre attention. Ya auto patoana note mau tamutu no totato fenua yoto ton yamatai nei taiti morea tenu atuito rarumatai tenu atuito te pe tuamutu to altera tenu atu ya auto etom areva mai tenu atuito te tuamutu hiti altera oto to te fenua ena nai tenu atuito te tu ape yamai teiro autor tu telefono te tu. I roto i taua mai tira ara, ai te hoe e
Pupu Porititei Mataramai e Iruayana te perhei, no te faterei totatou fenua. E mitmeara hoi, e tra opuar ature o te tuhi amai muaia tatou, te fa mata muaroa, irutoiana mautira, no te fatupur ai te hoe, per hei papu mai tei, e irutoi tatatou aporar hei, no to tatou fenua, ia fatere papu hia, to tatou fenua, e taua per heida. Aita te manao te perhei o te apor arhei whaturahia. I hahiei tau aturera. I fifiei tātou i te iemhana. E norira nartoi te maitir a o te tupu anei. Aita hoe e pupu enenhe e whatere i te whenua. Oian e hoe. Aita tu e rawea no tau pupura. Mautira te tapirir aia i te tei, orera, i te tei a tu pupu. Wahape traf anor a. E. Aheni pai far ohia. Te reo o te mautia o te apora rei i tau a mahanara. Ma auru ma ma ratou. O te fai tei to ratou mana patoi tau a opuar a turera. Ma te ha papu e ere na taua turera e fatupu i te ho e perhei papur toi to tatou whenua no te whaterei to tatou whenua ai te rato tatou reo i whar i hia o wha fofa ore hia tatou ta tatou ia e i te nei e i te iemhana a ti ara tiro toi a tatou te whaotir ai timir ai te maura ave a toa e ia tupu te hoe perhei i rutoi tō tātou whenua ia whātere papuhia tō tātou whenua ia ore tō tātou teime pauv ahau ia ore te nun a ia topav ahau i rutoi te whiwhi e te hopopo terira mora avea e ti rutoi a tātou. I rutoi tā uhi or a, pramau pene e pā, e i te tupu wawe i te iei hoa mhana, tera rā, te opuar a e tano mau ti rā, ia amui hia te tā atoar a, e o te mau pupu poritita. Nen he anei tā tātou, e whātere tō tātou whenua, i ruto noai nā pē o tono mi o piti atoa, mai tātou i maiti i te mahanam haim eria nei, i te pretetini arata i tō tātou whenua. E mi te meo te reirara. Te whafofa a orera tātou, i te reheit ai piti a huru tia, i roto i te aporarai o te whenua. O te i maiti hia e te hoi reheit a huira a tira, e toru a huru mawau in ei te hanere. Mea tanoa nei te rire huru whaatere a, i te hapēr a, i te tai pēo te hui atira, i te orer ae whāro o, i te reo te hoe pēr hei, o te hui atira, ai te wei te aturi rei te reira. No reira, te manone au, e te whātere ae e tano no tō tātou whenua, mau ti rā, i te whā taho er a, i a tātou pauroa. Ia āmui tātou, no te whātarei tō tātou whenua, e te rira te mea o te hin arohia e te huir atira. Nen he anei e tupu, e, te te aturine e iau e nen he e tupu, mauti te ie wharerei a, o te tupu iro tupu, ia Oscar te maru e o voisho nei. E mauti taua wharerei ara, nen he e prau wahuri tātou i te hoe api o te aai o tō tātou whenua. Tau apira, turu ahuru mataiti tō tātou papa i ai te rira aai o tō tātou whenua.
Il te été aro noir a. Et te hoé aro a ou an amau. Il te pu te pe autonomie. Et te pe ti amar a. Et mauti te ie fare leid a. Et ne ne hei tatu e proi te ie marna. Ou a tupu te hau. Il te to tatu finua. Ou tu pute au terra e il toi to tato fenua. O vai te ne ne fa hapa e te reda. Ne ne pai fa hapa i te hoi ara tei a portita. O te ore tano no te nuna. Ne ne pai fa hapa i tra ara tei a i tra fa ore rei te tei fa tu. Trara, o vai te ne ne e pat oi i te prau no te hau. E no te au te era. E te imhana, e te tupura, e te reira. E te aturi nei maua. Oscar te moru, eu vou chonei. Ta e no atuei, ta maua te aturi na portita. Ai te maua e taui, ta maua aratei na portita. Ai tu voi ani ane taui tana portita. Tine ano ane tana aratai a. E te te aturi ona in ai te parau te te amara. Ai tu to ane ani me iau, ai tu to ane maro me iau, e taui atua oe i ta oe portita ai te roatu. Tine ei hoa matou i ta matou portita no te autonomi e te whaia wharani noata. Te rara, te prau fufu arto ia maua, hapena i te ia nātumu prau, o te whatupu i te amhamahar aruto i te nuna, amhamahar a, e iruto i te motia mai tihia e te nuna, e a imi nei te ravea, e a hiona i te nuna, a tahoena no te maitei o te nuna, te rā te tumu mau o te ie e whareireira. No rire ho here ma, te te aturi nei au. E idio te te ho e teime e puto. E nen he o te taato ar au te mauti a portita, o te whenua nei, o tau e vai nei, iro toi te i apor a, ia ho e tato no te tavini i to tato nunda a. E te o aua nei au. E te ie nei amhana, te vai nei te hau, i ruto i tatatou aporarai, ai tatatou mi te rira e i muare. Peu api te ie e o tatou e i te ie amhana. E ia tamau noe a tatou e i te rira. I tu vai tataratu i muai o tō, i tau tapur oipa no te mea, ia tupu te wharereira a, te tau ar aparau, te horor ai to te taiman o to te taiman o e te hamaud a i te hoe tapura oi pa amui na te taat oar a e ti ai. E no reira, te te aturi nei au me te mea e fauta mai o toi to te aturi ra in e ia au te hoi pa matamua e rove mautira i te fauti hoperoar a i ta tatu tapuro fufano te ima taiti piti tau tini e vau. E tau atai mera e atu vau, bite mea e horo mai o tui tau tau ti aturi ai ti atu vau, no te tatarai moi o tau i te tapuro o hupa, e muri ai te ho e tau ara aparau, e te ta ato ara a o tu maupupu poritita e whaar ira e o hupa no te whenua. Tera rai rutoi ta au hi or a, i to hui pa rūroa e, i rutoi to tātou whenua, mautira, i te tauturur a, i te huir atira, o tā tātou mātaro noa i te pio te feiar iri, o te iriro i te imhana, e feia veve mau, i rutoi to tātou whenua. Ia tauturu hi a rātou, nā mua roa e, i to mau tauturu rū, e te ai, e te rira, te tapuru oipa matamua o tāuet utu e i muai o tō e mi te mea e te ahia
Ieoto. Norira e hoherema. Tirotovau oiteau. I te veirao te taho e rahui a tira i te iemhana. Paraumau, tōna paru-paru o iaia. Te rā, o ona pā tenen he, e riro, e iravea no te whātaho e ia tātou, ia nene he tātou, e rave a mui i hupa. E no rira, te narutoa tūnei au i te heha'a, e te anira e ia tupu mau tau a haura i ruto i tō tātou whenua e maitai no tō tātou nuna. Te rara, te whaotira a te oto ia. Nō rira i te enei a, te a maruru tunei a oto o te whaota mai tō oto te aturira a ini eia. Maruru, iora. Avant d'appeler le deuxième candidat à la tribune, je voudrais réparer une erreur. Je n'ai pas souhaité la bienvenue à notre présidente du Conseil économique, social et culturel, Madame Raymond Raoul, que je voudrais saluer ici, en notre nom à tous. Monsieur Gaston Tongsong, vous avez la parole. Vous disposez, comme tous les candidats, d'une heure. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Sénateur, Madame la Présidente du Conseil économie, sociale et culturelle, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, du pays et des communes, des autorités militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs de la presse, à nos anciens présidents de l'Assemblée de Polynésie française, présents parmi nous, à l'ensemble de nos populations, des Marquises, des Tuamotu et des Gambiers, des Australes, des îles sous le vent et des îles du vent, à nos représentants de l'Assemblée de Polynésie française, à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de la Polynésie française, de la France et à l'étranger, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de réitérer mes félicitations aux nouveaux élus. Ainsi qu'aux anciens représentants nouvellement élus. De féliciter également notre président de la Polynésie, de l'Assemblée de la Polynésie française. Je vous demande d'applaudir. Et lui dire toute la confiance que nous avons placée en lui, ainsi qu'à l'ensemble des membres de notre bureau de l'Assemblée de Polynésie française. En nous présentant devant les électeurs, nous proposions de joindre nos forces et de rester solidaires pour offrir aux Polynésiens la chance d'une nouvelle voie politique stable qui engage les changements réclamés par la population.
Nous nous engagions à porter un programme économique, social et culturel durable, à la mesure des capacités de notre pays et des ambitions de notre population. En partenariat confiant et apaisé avec l'État pour un développement prospère, solidaire et équitable, respectueux de notre environnement et de notre identité culturelle. Nous indiquions que la Polynésie française, en laquelle nous croyons, est un pays d'outre-mer au sein de la République française, pluriethnique et multiculturelle, qu'elle a toute sa place dans les ensembles français, européens et océaniens, que nous sommes fiers de notre identité polynésienne et de notre autonomie constitutionnelle qui nous permet aujourd'hui de nous gouverner librement et démocratiquement. Nous promettions dans notre action politique, nous serions animés par les principes et les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par l'intérêt général, la bonne gouvernance et la transparence dans le respect de la parole donnée. À l'occasion du renouvellement de notre Assemblée, les électeurs ont saisi cette chance historique d'écrire avec nous une nouvelle page de notre histoire. Le soir du 10 février dernier, j'ai immédiatement dit à nos amis messieurs Temaru et Floss tout le respect que j'ai pour eux et pour leurs idées dans lesquelles les Polynésiens se sont aussi reconnus. Les respecter, vous respecter, c'est respecter les dizaines de milliers de Polynésiens qui ont voté pour vous. Nous sommes tous investis d'un mandat du peuple. Nous devons nous respecter, nous devons aussi respecter la volonté populaire. Les résultats des élections sont clairs. Ils ont montré le fort attachement des Polynésiens à l'autonomie et à la France. La très grande majorité des Polynésiens s'est reconnue dans les mouvements autonomistes qui représentent ensemble plus de 83 500 électeurs et plus de 62% du suffrage exprimé dans les 5 archipels et les 6 circonscriptions. J'ai pu lire et entendre que ces élections sont la démonstration d'un mauvais système électoral. Mais quel sens de la démocratie ont ceux qui le proclament? Sous le régime de la loi électorale de 2004, nous aurions eu près de 40 sièges dès le premier tour. Est-ce donc là votre vision du débat populaire? Non. Nous n'avons pas la volonté d'écraser le second, ni d'éliminer le troisième, et de ne laisser aucune chance à ceux qui souhaitent s'exprimer d'une façon différente. Je ne le redirai jamais assez. Nous avons eu raison de soutenir ce texte. Grâce à lui, vous êtes là et portez tous ensemble la voix de votre pays. La Polynésie française veut se remettre en mouvement. J'appelle chacun à ne pas se laisser enfermer dans l'intolérance et dans le sectarisme, mais à s'ouvrir aux autres, à ceux qui ont des idées différentes, à ceux qui ont d'autres convictions.
La population a choisi le changement. Ce changement, nous le mettrons en œuvre parce que c'est le mandat que nous avons reçu et parce que la Polynésie en a besoin. Nous le ferons avec tous ceux qui le souhaiteront, dans un esprit d'union et de fraternité. Nous le ferons sans que personne n'ait le sentiment d'être exclu, d'être laissé pour compte. La population s'est exprimée. Elle a choisi de rompre avec les idées, les habitudes et les comportements du passé. Nous devons donc nous mettre au travail. Nous devons remettre la Polynésie française sur les rails du développement économique qui permettra son développement social et assurera son développement culturel. Nous voulons préserver ensemble une Polynésie où il fait bon vivre et œuvrer pour son développement harmonieux, où les peuples s'unissent pour combattre la fracture sociale afin que tous nous soyons libres et bénéficiaires d'une prospérité retrouvée. Nous voulons partager ensemble une Polynésie française, garant des libertés fondamentales, dans le respect de la femme, de l'homme, de leur rôle dans une société active et solidaire, conduisant le pays vers une autonomie réussie et une économie performante, dans le respect de son environnement, de sa culture et de ses traditions. Nous voulons tous ensemble une Polynésie qui allie authenticité, confort de vie et innovation à la recherche d'un meilleur avenir pour tous et prospère durablement, une terre d'accueil et de partage. Nous voulons construire une Polynésie ensemble, encourageant davantage l'initiative privée, l'esprit d'entreprendre et d'investir pour créer des activités nouvelles, génératrice d'emplois et de richesses pour le bien du plus grand nombre et en particulier des plus vulnérables. J'ai entendu l'appel à l'apaisement et à l'unité adressé par la population. Il sera de notre commune responsabilité et je suis pleinement conscient, particulièrement de ma propre responsabilité, de rechercher la réconciliation de la famille autonomiste, mais aussi de tous les Polynésiens, d'assurer la stabilité politique et institutionnelle, d'établir durablement des relations confiantes et apaisées avec l'État, de relancer le processus de développement de l'économie de notre pays, de réformer les comportements politiques et les modes de gestion de l'action publique, de préserver l'unité de notre Polynésie française. Ensemble avec vous, je souhaite placer la famille et la jeunesse au cœur du progrès économique, social et culturel de notre pays, un développement que je souhaite d'abord au bénéfice de la population, pour plus d'emplois durables et une meilleure qualité de la vie au quotidien. L'économie de notre pays a besoin d'une relance massive de l'investissement public et privé, par l'ouverture de nouveaux chantiers structurants pour les décennies à venir. Cette relance ne peut avoir lieu sans le soutien financier et des relations étroites et confiantes avec l'État. Dans ce cadre, nous devons d'urgence nous accorder sur le contrat de projet à soumettre à la signature du président de la République lors de sa prochaine visite. Sans attendre, nous devrons aussi voter le budget pour permettre à la puissance publique de retrouver tout son rôle dans la vie économique de notre pays. S'agissant de la puissance publique, permettez-moi de partager avec vous ma vision de son action. Elle doit être plus proche des réalités et des besoins de nos populations. Elle doit être mieux adaptée aux spécificités des communes, tout particulièrement
de nos communes éloignées. Dans cette optique, il convient de mettre en œuvre concrètement l'esprit de décentralisation en faveur des communes prévu par les dispositions de la loi organique de 2004 et de prévoir les mécanismes réglementaires de concertation obligatoire des populations et élus communaux sur les projets les concernant. À cette fin, au-delà des délégations aux ministres et aux chefs de service, je donnerai délégation aussi aux maires pour délivrer plusieurs documents nécessaires aux usagers, mais aussi exécuter des services de proximité appartenant au pays, en leur donnant les moyens humains et financiers nécessaires à l'exécution de leur nouvelle mission. Je souhaite que les maires puissent assurer eux-mêmes la surveillance de leurs lagons, le suivi des concessions, mais aussi l'entretien des réseaux publics de proximité sans attendre l'intervention des agents publics du pays. Pour les usagers, il n'y a pas de service public communal du pays ou de l'État. Il n'y a pas en chacun d'entre nous un citoyen de la commune, un citoyen du pays ou un citoyen de l'État. Il y a un usager et quand il a besoin d'un service, il s'adresse à l'administration la plus proche, souvent la mairie. Nous devons prendre en compte cette réalité et nous donner les moyens de nous adapter. Parce que nous ne voulons pas d'une autonomie assistée, ne fonctionnant qu'avec des aides publiques. Nous devons aussi assurer le développement des ressources propres de notre pays dans le cadre d'un schéma d'aménagement de l'espace et de développement défini en concertation avec les partenaires institutionnels, les acteurs économiques et la population. Les investissements publics et privés doivent s'intégrer dans un plan général de développement qui favorise la valorisation des ressources propres du pays et la maximalisation des retombées économiques locales, notamment dans les archipels. Dans ce cadre, l'aide publique doit seulement permettre le lancement de ces activités. Leur pérennité dépend ensuite des capacités de gestion des responsables, de leur capacité d'innovation et d'adaptation. La création des pôles de compétitivité, le soutien et l'accompagnement aux très petites et moyennes entreprises, la mise en œuvre d'une fiscalité adaptée au secteur à développer, une stratégie de spécialisation des développements des archipels deviennent des objectifs à atteindre. Une nouvelle politique énergétique visera la substitution des énergies fossiles par des énergies propres et renouvelables. Le tourisme constitue le moteur économique privilégié de notre développement. Notre environnement unique et préservé constitue son atout majeur. Dès lors, la préservation, la mise en valeur de notre environnement devient une priorité qui sera traduite en termes de financement public. L'agriculture, la pêche, la périculture ainsi que les autres branches d'activité, création de richesses, créatrices de richesses propres du pays, seront soutenues par des mesures appropriées de développement et de financement de projets. La réglementation dans ces domaines sera révisée pour mieux adapter aux exigences du développement et s'attachera notamment à instaurer un statut et une protection sociale aux pêcheurs professionnels. La création d'emplois durables et l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi sont au cœur de mes priorités. La création d'emplois sera dorénavant mise au cœur des aides directes et indirectes attribuées aux entreprises. Je crois en effet à la distribution de la richesse
par la création et la distribution du travail. La solution consistant de prendre aux riches pour donner aux pauvres est un mythe. La richesse se crée par le travail. En créant du travail, en donnant du travail, nous créons de la richesse destinée aux moins nantis pour leur donner la chance de fonder la famille, de subvenir à leurs besoins et de se constituer un patrimoine. Je suis et nous sommes contre l'impôt sur le revenu. Parce que c'est un impôt sur le travail et le mérite. Les dispositifs d'emploi aidé seront améliorés car ils constituent souvent un préalable à l'accès à l'emploi durable. L'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qui représente plus de 50% de la population, est essentielle. La concertation prévue dans les règles de gouvernance doit conduire à associer les représentants des mouvements de jeunes aux décisions publiques afin de permettre une meilleure prise en compte de la problématique de logement, d'études, de première embauche, d'ouverture sur le monde et d'espace de rencontre. Par ailleurs, une politique volontariste d'insertion sociale doit focaliser son action sur la lutte contre toutes les formes d'exclusion des jeunes, toxicomanie, violence, tentative de suicide, et mettre en œuvre un dispositif du type service civil basé sur le volontariat pour réinsérer et responsabiliser les jeunes en rupture avec la société. Une évaluation des aides publiques au secteur jeunesse et sport sera réalisée et une réforme de leur mode d'attribution sera mise en œuvre afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité de la dépense publique. Cette réforme favorisera la conclusion de contrats d'objectifs et la mise à disposition des moyens sur des périodes pluriannuelles. En conformité avec le schéma directeur des développements précité, un plan 500 cadres sera engagé pour la formation des cadres polynésiens dans les domaines d'activités publiques et privées, essentiels au développement économique et social et culturel de notre pays. La valorisation des acquis par l'expérience sera également renforcée afin de reconnaître la progression professionnelle des travailleurs. Nous devons assurer le rétablissement du dialogue social et du sens du partage permettant l'élaboration et la mise en œuvre d'une réforme consensuelle de notre système de protection sociale généralisée. L'évaluation de la politique de protection sociale généralisée et cette réforme seront immédiatement engagées compte tenu des nouveaux enjeux démographiques et financiers. Le rétablissement de dialogue social doit avoir pour objectif l'élaboration d'un pacte social entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, portant notamment sur le pouvoir d'achat, les prix, l'emploi, les salaires et le chômage. La fracture sociale s'est accentuée au cours de ces dernières années. Sa réduction, indispensable au maintien de la cohésion sociale, nécessite l'adoption de mesures sociales urgentes et fortes et un partenariat avec les communes pour mettre en œuvre une action sociale de proximité. Cet effort passe par la relance de la construction de logements sociaux, la mise en accession à la propriété des logements sociaux, la réalisation des programmes de résorption d'habitats insalubres et le renforcement des actions de la politique de la ville avec le soutien actif du tissu associatif et une professionnalisation des intervenants pour une meilleure proximité et réactivité. Cet effort sera couplé avec l'amélioration des dispositifs d'insertion pour l'emploi, l'amélioration des minima sociaux
sous condition de ressources et l'extension de l'aide familiale au logement au parc de logements privés agréés. Je vous l'ai déjà affirmé, ici même, une bonne politique sociale doit avant tout permettre à ceux qui en bénéficient aujourd'hui de pouvoir s'en passer demain. L'aide que peut apporter la collectivité doit se comprendre que dans un objectif d'autonomie des bénéficiaires. C'est toute la différence entre la solidarité et l'assistanat. Et les efforts de la collectivité à l'écart des plus fragiles seront d'autant mieux compris qu'ils participent à une vie digne et responsable. Ces efforts doivent répondre à une double exigence, éthique et pratique. Éthique parce que, sans donner dans l'égalitarisme, nous avons le devoir de ne laisser personne au bord du chemin. Pratique, parce que la marginalisation d'une partie de la population engendre des déviances, telle la délinquance sans cesse grandissante ou les violences familiales et bien d'autres maux. Le système sanitaire doit être réévalué et son mode de financement remis à plat afin d'assurer, d'une part, la modernisation et la pérennité de la qualité de l'offre des soins en général, de garantir, d'autre part, un accès et un niveau de soins approprié, notamment dans les archipels. Je voudrais ici vous dire l'importance que j'attache aussi à la prévention sanitaire. Le diabète et l'obésité sont des pathologies que nous devons combattre avec vigueur. Dès le plus jeune âge, en maternelle, nous devons éduquer nos enfants à une meilleure hygiène de vie, à la pratique régulière du sport et des exercices physiques. L'amélioration du niveau d'instruction générale de la population doit être poursuivie et la lutte contre l'illettrisme, un souci constant, nous conduisant à renforcer l'école des parents, la multiplication et l'amélioration de la qualité des internats, en particulier en faveur des élèves des îles, la généralisation en sorte de l'école du soir. Tantôt, je vous disais mon souci de la prévention sanitaire qui passe par l'éducation à l'hygiène de vie et à la propreté dès la maternelle. Je vais vous dire aussi mon souci que, dès le plus jeune âge, nos enfants s'ouvrent aux arts, à la musique, au dessin et aux travaux manuels. Je veux aussi vous redire les propos que je tenais devant vous s'agissant de l'apprentissage des langues polynésiennes à l'école. Le véritable enjeu que nous avons, c'est de mettre en capacité de maîtriser parfaitement et à minima les deux langues qui sont nécessaires à nos enfants, le français et Tereonotefenua. La modernisation est un défi permanent à notre langue, mais aussi à notre culture et à notre identité. Nous devons relever ce défi si nous devons avoir une véritable politique de valorisation de notre patrimoine culturel. Nous ne devons pas nous contenter de figer notre culture comme un vecteur de préservation de notre passé, ce qui équivaudrait à un repli sur soi et à terme à une fossilisation de notre société. La culture est en constant mouvement et dans le contexte de globalisation, elle doit veiller à s'enrichir des apports de l'extérieur et s'ouvrir sur le monde. L'amélioration du pouvoir d'achat passe par la réduction du coût du panier de la ménagère, par des baisses de taxes ciblées et par l'amélioration de la concurrence, conjointement à l'ouverture des discussions avec les professionnels sur la maîtrise des marges sur des produits bien déterminés. La mise en place d'un observatoire de prix et des marges
est un impératif. Pour les archipels, le coût du frais de certains matériaux de construction seront réduits. La continuité territoriale intérieure, sous condition des ressources, sera instaurée afin de faciliter la mobilité des familles polynésiennes. Les problèmes de circulation dans l'agglomération urbaine nécessitent la mise en œuvre d'un programme s'appuyant sur de nouvelles infrastructures routières et la rénovation d'un système de transport en commun. Le transport en commun doit devenir une véritable alternative à l'usage de la voiture. Au plan territorial, l'amélioration des transports maritimes et aériens doit également permettre la poursuite du désenclavement des îles éloignées. La question récurrente du foncier peut être résolue, doit être résolue, par une action volontariste. Elle passe par la mise en place d'un partenariat État-pays pour gérer le financement de l'aide juridictionnelle et la mise en place du tribunal foncier avec des magistrats supplémentaires. Elle passe également par l'élaboration d'une loi de pays sur la gestion de l'indivision après une large concertation. Elle passe aussi par la mobilisation des moyens financiers supplémentaires du pays pour terminer le cadastre et la numérisation des documents fonciers en vue de leur mise à disposition auprès des communes et des divers services déconcentrés. Enfin, par la formation adaptée et le recrutement de jeunes juristes polynésiens pour renforcer les moyens de la direction des affaires foncières et notamment la mise en état des dossiers à soumettre à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et la réforme de la publicité foncière. Je m'engage pour que l'évolution socio-économique de notre pays se fasse dans une démarche de protection et, le cas échéant, d'exploitation maîtrisée et réglementée de l'environnement dans l'optique d'un développement durable préservant l'avenir des générations futures. Mon objectif est aussi de valoriser et de permettre à la culture polynésienne de s'exprimer. Il s'agit de donner la possibilité à tous les Polynésiens de connaître et de vivre la culture dans toute son étendue et toute sa richesse. Le rôle des parents dans l'éducation des enfants et la transmission des savoirs, capacités et compétences sera favorisé. Parallèlement, il convient d'accroître les moyens accordés au secteur culturel, rénover et développer les équipements, apporter un soutien actif aux auteurs-compositeurs, aux producteurs de musique et d'œuvres audiovisuelles, et plus particulièrement, donner un statut et une protection sociale aux artistes. Je m'engage aussi, j'allais le dire, j'engage le pays à reconnaître et à soutenir les associations et bénévoles, galants de l'intégration sociale de la jeunesse par le sport, les arts et la culture, mais aussi de la protection de l'enfance et de la nature. Et pour en finir, l'énoncé des principales orientations de mon programme, je veux affirmer ma volonté que la couverture numérique à haut débit bénéficie au plus grand nombre et soit au service du développement de l'ensemble de notre pays. En matière de nouvelles règles de gouvernance, les règles de conduite, les principes et les principes d'action à respecter par les membres du gouvernement doivent être clairs. Ils s'appuient sur l'instauration d'une véritable culture de la responsabilité et du résultat. L'efficacité de l'action publique commande la mise en place d'un nouveau rapport entre les responsables politiques, notamment les membres du gouvernement, les services et les établissements dont ils doivent assurer la tutelle. Cette nouvelle relation doit avoir pour effet de faire collaborer tous les agents à l'innovation. La constitution des équipes
à la présidence et dans les ministères répondra aux règles suivantes. Le choix du nombre des ministres, avec un réel compromis entre économie et efficacité. La diversité des personnalités au gouvernement, limitation du nombre de collaborateurs, compétences réelles des collaborateurs avec des recrutements et des rémunérations justifiées par le niveau des études ou d'expérience. Dès sa mise en place, je propose de nous attacher à lancer un audit financier des comptes publics afin de réaliser l'état des lieux du pays. Cet audit sera étendu aux principaux offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte. Le président, les ministres, les chefs de service ou directeurs d'un établissement public mettront en œuvre une concertation permanente et transparente avec les partenaires des secteurs dont ils auront la charge. L'importance des commandes publiques et aides publiques pour l'activité économique et la cohésion sociale est considérable. Je m'engage à réduire la représentation politique dans les commissions portant attribution des marchés et aides publiques. Je m'engage à renforcer les critères réglementaires d'attribution des 10 marchés publics et aides et en préciser, quand cela s'avère nécessaire, par voie de circulaire, les dispositions d'application. Je tiens ici à remercier les membres du groupe de travail qui a élaboré le programme que je viens d'énoncer. Je remercie particulièrement Madame Armelle Marceron, Monsieur Tevaro Fritsch, Monsieur Jean-Christophe Buissou, Madame Béatrice Mernondon, ainsi que Monsieur Philippe Schill. Je m'engage à respecter les droits de l'opposition, d'ores et déjà, avec l'accord de tous mes partenaires, je lui fais l'offre d'une présidence de commission à l'Assemblée de Polynésie française. Et lui promet qu'ils siégeront aussi dans les commissions extérieures, au nom du respect et de la transparence de l'action publique. Chers amis, pour conclure, je souhaite vous dire ma confiance. Nous sommes capables de réussir notre autonomie. Une autonomie raisonnable. Une autonomie responsable. Une autonomie moderne et dynamique. Je souhaite vous dire ma confiance. Ma confiance dans l'avenir. Ma confiance dans nos possibilités. Dans l'esprit d'entreprendre, dans l'esprit d'innovation et dans notre capacité d'adaptation. Je souhaite vous dire ma confiance dans l'avenir et dans la paix. Parce que la clé de notre réussite est dans la création de richesses et dans son partage, et que j'y suis résolument engagé. Cette paix, je la vis et je souhaite la partager avec vous tous. Chers amis, je suis prêt. Nous sommes prêts à réussir. La Polynésie française est prête à réussir. Je vous remercie. Et vraiment, Prauri Matamuarua, Yorana Muitato Irtitierhoto Tatuatua. Yorana Totato Priktini. Priktini no Tatato Aporarhe o Tatato Imaitina. Meia Oe Tano Tuito Epa.
Merci, Monsieur Thompson. Les candidats ayant maintenant exposé leur programme, nous allons passer aux opérations de vote. Et je vais demander au secrétaire général de rappeler les dispositions législatives et réglementaires en la matière. Pouvez-vous nous donner lecture des articles 44 du règlement intérieur, des articles 70 et 122 du statut? Monsieur le Président, l'article 44 du règlement intérieur concerne le scrutin secret. Il est indiqué que le scrutin secret est de droit pour l'élection du président de la Polynésie française. Pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Polynésie française et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Il s'assure que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le président. S'agissant de l'article 70, alinéa 1er du statut, il précise que le président de l'Assemblée proclame les résultats de l'élection du président et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Enfin, l'article 122, alinéa 3 du statut est relatif au vote par procuration. Il est précisé que le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'Assemblée. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française. Voilà, Monsieur le Président. Bien. Je vais demander au secrétaire de séance de distribuer donc les bulletins. Deux bulletins vous seront distribués. Un bulletin au nom de Gaston Tongsong et un bulletin au nom de Monsieur Gaston Floss. Un troisième bulletin blanc vous sera délivré aussi.
Bien, je vais demander à nos secrétaires de séance de se placer près de l'urne, M. Fribourg et Mme Broudien, s'il vous plaît. Vous serez les gardiens de l'urne. Madame la secrétaire générale, vous voulez appeler les représentants, s'il vous plaît. Madame Afouanik. À voter, Madame Algoïma. À voter, Monsieur Al-Fatari. À voter, Madame Bob Dupont-Tamara. À voter, Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter, Madame Brodien Rosine. À voter, Madame Charlie David Daphné. À voter, Madame Cross Valentina. À voter, Monsieur Drôle et Jacqui. À voter, Monsieur Floss Gaston. Monsieur Floss Gaston. À voter, Monsieur Foster Temauri. À voter, Madame Fribourg Joël. À voter, Monsieur Fribourg Pierre. À voter, Monsieur Fritz Edouard. À voter, Madame Galnon Chantal Minari. À voter, Monsieur Jérôme Santoni. À voter, Monsieur Anderson Georges. À voter, Madame Irchan Nounotea. À voter, Madame Iriki Teura. À voter, Madame Isa Leifara. À voter, Monsieur Kauté Benoît. À voter, Monsieur Komitini René. À voter, Madame Lévi Agami Sandra. À voter, Monsieur Lison Marcelin. À voter, Monsieur Mamadou Ayahoutapou Victor. À voter, Madame Araya Iman.
À voter. Monsieur Maraura Teina. À voter. Madame Atawa Leoni. À voter. Madame Ati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel. À voter. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Paulette Kinoui. À voter. Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Rivetta Frédéric. À voter. Monsieur Rofrich Teva. À voter. Monsieur Romain Tarot Fernand. À voter. Madame Sage Maïna. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Tahiata Chantal. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Chung Yung Tung Hi Achong. À voter. Monsieur Tefarere Hiroiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar Manukai. À voter. Monsieur Terry Payamita. À voter. Madame Teruatia Silviane. À voter. Madame Tétonou Ilana. À voter. Madame Théoura Justine.
à voter. Monsieur Tongson Gaston. À voter. Monsieur Touahou Ismaël. À voter. Madame Tuchobia Catherine. À voter. Madame Vernaudan Béatrice. À voter. Monsieur Vernaudan Clarence. À voter. Monsieur Yip Michel. À voter. Voilà, Monsieur le Président, je pense avoir appelé tout le monde. Bien, Monsieur Michelier étant le dernier à voter, le scrutin est clos. Nous allons passer maintenant au dépouillement. Allez-y. Oui. Alors, 57 enveloppes trouvées dans le cœur. On voit pas ? Ça marche ? 57 enveloppes trouvées dans le cœur. On y va ? Flos Gaston. Gaston Tongson. Mes autres de ce côté-là. Tongson Gaston. Tongson Gaston. Tongson Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Tongson Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Gaston Tongson. Tongson Gaston. Flos Gaston. Tongson. Oh. Tongson Gaston. Flos Gaston. Tongson Gaston. Gaston Tongson.
Flos Gaston. Flos Gaston. Bulletin blanc. Flos Gaston. Tangson Gaston. 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 Tangson Gaston. Flos Gaston. Tangson Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Tangson Gaston. Tangson Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Tangson Gaston. Flos Gaston. Flos Gaston. Tangson Gaston. Flos Gaston. Tangson Gaston. Flos. Vas-y, vas-y, on lance. Flos Gaston. Tangson Gaston. Tangson Gaston. Flos Gaston. Tangson Gaston. Et le dernier. Tangson Gaston. On y va. 7. J'en ai 27. Là. Et le blanc ici. Donc 27 au canton. 29. 29. 29 et un blanc.
Voici donc les résultats du scrutin. 57 représentants composent l'Assemblée. 57 représentants sont présents ce matin, 57 votants. 57 bulletins trouvés dans l'urne, un bulletin blanc, donc 56 suffrages exprimés. Monsieur Gaston Flosse obtient 29 voix. Monsieur Gaston Tong-Song. Monsieur Gaston Tong-Song obtient 27 voix et un bulletin blanc. En conséquence, je proclame Monsieur Gaston Flosse élu président de la Polynésie française avec 29 voix. J'invite Monsieur le Président de la Polynésie française à prendre place au banc qui lui est réservé. J'invite Monsieur le Président de la Polynésie française à prendre place au banc du gouvernement. S'il vous plaît. Monsieur Flosse, vous avez la parole. Vous voulez dire un petit mot, Monsieur Flosse? Comment on appelle? Alors, je serai très bref, simplement, je tiens à remercier toutes les électrices et tous les électeurs, les représentantes et représentants qui m'ont accordé leur confiance lors de cette élection pour présider aux destinées de notre pays. La majorité en a décidé ainsi. Nous respectons la décision de la majorité du peuple polynésien. Je vous remercie. Mes chers collègues, avant de suspendre la séance, je vous rappelle que dans l'article 73 de notre statut prévoit que dans le délai de 5 jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au commissaire et au président de l'Assemblée l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé de suivre son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'Assemblée de Polynésie française par son président. À défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'Assemblée de la Polynésie. La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévu au premier alinéa. Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie, transmis au commissaire et au président de l'Assemblée. Nous avons donc terminé avec l'élection du président de la Polynésie française. Je suspends la séance. Elle reprendra, comme l'a décidé la conférence des présidents ce matin,
à la diligence du président de l'Assemblée de Polynésie française. La séance est suspendue. Je vous remercie.